Les décisions, là, ça ne vient pas tout le temps de Montréal. Il faut que ça vient des régions. Pour commencer les régions, on se concerte. On a des idées, ça peut être intéressant, on l'envoie un peu plus haut au niveau euh, du conseil régional. Le conseil régional envoie ça au conseil général. Après ça, il y a le comité décisionnel plus haut. Puis en fin de compte, en bout de ligne, ça se ramasse en haut nos idées. Puis quand c'est bon, ben ça descend par en bas. Puis bien souvent, ça va être comme ça. Que ça monte un peu plus serré, mais les idées qui sont bonnes, elles reviennent comme ça. Donc c'est l'ensemble des membres au niveau de la FTQ qui en profitent. On a beaucoup d'éducation à faire euh, au niveau de la FTQ. Non, masque qui pense encore que c'est un syndicat. Pourtant, c'est une centrale syndicale qui fait un regroupement de beaucoup de syndicats. Puis après que ça, ben, c'est pas FTQ qui décide, c'est l'ensemble des syndicats qui dit à M. Boyer, oh, ça serait intéressant, ça, ça, ça. Donc, les grandes lignes, c'est un peu tout le monde qui est prend. Mais on a un porte-parole avec son secrétaire, M. Cadieux, qui sont capables de nous transmettre. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec M. Laberge. J'étais à Montréal, puis je avec son garçon Jean, puis il euh, me Pour moi, c'était... Euh, c'est des ambassadeurs, c'est des idoles. Il y avait deux, malheureusement, ils sont tous les deux décédés. Puis, il euh, dit hey, c'est ton monsieur, ton père, c'est quelqu'un, tout qu'un personnage. Il dit, ben, il dit, viens, je va te le présenter. Il était en train de jaser avec une personne âgée. Puis, il dit, papa, il dit, hey, j'ai quelqu'un à te présenter. Ouais. Il a pas eu son manteau. Papa, il dit, hey, j'ai quelqu'un, je suis de te présenter. Là, il se vers moi, puis il dit, une minute, hey, il s'est fondu. Comme ça. J'ai serré à la main, puis je pense, je, 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 je me souviens pas j'ai parlé à la je, je, je m'en souviens pas. Et euh, un bout de là, ce bout de là, Mais par après, il m'a toujours reconnu. J'ai eu la chance de le voir au niveau des délégués sociaux. à à cause qu'il trouvait que cette idée-là était importante pour les membres de la FTQ. Les métallos, euh, c'est un syndicat canadien quand même, le métallurgiste unique d'Amérique, ça a commencé. Ils ont décidé de, 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 de syndiquer les mineurs. Ça s'est régrandi à la grandeur du Québec. On touche l'hôtellerie, on touche euh, les traversiers, euh, les taxis. On. On touche à peu près tout. On a été longtemps le plus grand syndicat privé au Québec. À cette heure, ben, il y a eu la fusion de, du CEP et de TCA, Unifor, donc ils sont un peu plus gros que nous autres. Mais en tout cas, on n'a pas dit qu'on a eu le titre pendant quelques années, quelques décennies d'ailleurs. Donc, au niveau des, des, des métallos, euh, on a, on a quand même une structure qui est là depuis longtemps. Le premier directeur, c'était euh, Jean-Gérin Lajoie. Moi, n'ai pas eu la chance de le côtoyer, là, et quand j'ai commencé à faire du syndicat, ben, c'était rendu Clément Godbout. Après Clément Godbout, on a eu euh, Laurence McBurty. Laurence était là quand même plusieurs années, puis euh, c'était un bon narrateur. Ben, Gris Clément était aussi, mais jamais Laurence. Il avait un petit accent, des fois, là, anglais, là. Mais euh, après, après Lorenz, on a eu Arnold Dugas. Arnold Dugas était là encore quelques années. Euh, ensuite, ça a été Michel Arsenault. On se rapproche beaucoup plus. Après Michel Arsenault, on a eu euh, Daniel Orouet. Et aujourd'hui, en 2016, euh, c'est Alain Crotto. L'année passée, ils ont fait un livre, une édition qui relate un peu toute l'histoire du syndicat des métallos, ce qui se passe dans les régions, pas juste à Montréal. Toutes les régions ont été touchées dans ce livre-là sur euh, plusieurs époques, allées jusqu'en 2015. Puis tous les directeurs étaient présents. Hier, euh, je rencontrais mes travailleurs, puis il y en a un. Il dit Syndicat, on donne 15$ par semaine. Il dit Ça vaut ça Il dit C'est ben, pas compliqué. sur veux 15$ Il y en a la moitié qui vient au syndicat, ici pour le loyer. Puis, puis toutes les affaires, les négos, puis les sorties, quand il y a des libérations, il faut y payer un remboursement l'employeur. Puis l'autre moitié, ça va. Nous autres, on a, les métallos, c'est un syndicat international. Donc, l'argent, l'autre moitié, ça va à Pittsburgh. Donc, cette pièce et demie, ça va là. Dans l'argent qu'ils reçoivent, ils prennent un montant pour être capables de conserver un certain montant dans un fonds de griffe. Donc, au niveau des métallos, quand on tombe en griffe, on a un montant qui va être versé par semaine selon le nombre de membres, puis toute la tralala. Puis ça, on ne sera pas obligé de le rembourser. En plus de ça, il ben, y, y a une partie qui va, qui va aider à payer le salaire des permanents au Québec, au Canada. Tout ce que est de, de permanents métallo, même aux États-Unis, ça sert un peu à payer le salaire. Ça va servir aussi une partie pour l'éducation. Ça peut aider aussi au niveau politique, parce qu'on sait très bien qu'au niveau syndical, on se doit d'avoir inter, des interventions politiques pour nos membres, parce que si on les laisserait faire, malheureusement, là, là on parle d'hostilité puis on s'en mêle, comme ça s'il faudrait qu'on les laisse faire ça serait désastreux on, on réussit à avoir des acquis on prend la CSST. ça ça, 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 ça c'est pas venu de seul là la, 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 la commission le comité de santé et sécurité là il a fallu se battre pour avoir ça puis c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer à nos membres. on dit là t'es bien, tu rentres travailler le chemin est asphalté c'était dans la boîte dans le temps il y avait un avantage quand on revendiquait on se prenait de la gang, on allait courir dans la boîte pour monter en lit marche pour aller au bureau en haut on salissait le tapis on l'a pas fait souvent, souvent. Moi, ça a arrivé. Donc, mais l'horloge, le punch, les toilettes, euh, les, 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 les lunchrooms, tout ce qu'ils ont là, euh, les, les gants, il a fallu euh, se battre pour être capable d'avoir les gants payés, les équipements de sécurité. Donc, c'est tout ça en, 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 qui a fait en sorte qu'avec le temps, nos travailleurs ont une bonne qualité de vie. Puis ils savent pas tout d'où ce que ça vient. Bien souvent, là euh, mon membre, c'est sa femme qui est dans le communautaire. C est, c est, on, on, on est on si est serré. C'est est ça qui est plaisant un peu. là Donc, on est là pour aider. Plus la communauté, le communautaire va fonctionner, ben on a besoin aussi de ça. là euh, C'est plaisant d'être syndiqué, c'est plaisant d'avoir un bon salaire, mais il faut toujours penser où c'est à côté. En 1994, on, euh, on avait une possibilité pour nous autres d'avoir des mètres cubes de bois. Puis, euh, ce qu'on s'est fait dire, ben, c'est que Kruger le voulait aussi, pour l'usine de Bromptonville. Donc, euh, ce qu'on a dit, ben, on va se faire un document. Donc, Daniel Nimbaud, pour Bruno Marceau et moi-même, on a décidé, on a rencontré le employeur, on a dit, gars oh, là, on veut faire un document. Là. Nous, le bois, on veut l'avoir pour être capable de garder là, du monde à l'ouvrage.» puis on est collé sa ressource, donc il n'y a pas d'affaire à partir d'ici, puis s'en aller euh, à Bormetonville. On a préparé un document pour expliquer c'est quoi les impacts économiques par rapport ici. On a eu même de l'aide de Régent Girard, qui se trouvait à été chemin municipal, puis qui travaillait aussi à, au Cégep en économie. Donc, euh, on a pris le temps de monter le document, on est arrivé à Québec avec ça, puis quand les hauts fonctionnaires ont vu ça, ils ne comprenaient plus, parce qu'ils s'étaient fait dire que les chantiers voulaient le voir, Justement, pour être capable de vendre plus cher. Puis on a quand même fait un bon travail. Pour du monde là, qui avait peut-être peut pas de secondaire 5, mais qui avait beaucoup de vouloir, on est capable de monter un document. Puis, en fin de compte, M. Chevrette, quand il a vu ça, il a dit Allez voir mon sous-ministre. On a jasé avec. Il nous a donné une réponse par après qui était positive, comme de quoi qu'on réussissait à garder le sous avec Donc, ça nous permet de garder notre monde à l'ouvrage. C'est pas compliqué. là. À Chougamau, le monde, ce qu'ils veulent, c'est travailler. quelques années plus tard, on a eu la commission Coulomb qui est venue faire rapport au gouvernement par rapport à, à l'approvisionnement forestier. On était capable d'en offrir autant. Mais dans la loi 71, il décrétait des coupes des approvisionnements et aménagements forestiers de 20 Une entente qui punit tous les travailleurs au Québec. En bout de ligne, on était rendu à 37 de perte de notre approvisionnement. Donc, en 2005, on a fait un blocus où, à l'intersection de la route 167-113. On avait dit quand c'est fini, là. On a laissé quand même passer les, 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 certains véhicules. Là. Quand il y avait des enfants, les, les, les produits de consommation périssables, ils pouvaient passer. Les autres, ça ne faisait pas. On les envoyait dans un stationnement. Ça a brassé beaucoup. La sûreté du Québec était là. Ça s'est quand même bien déroulé en bout de ligne. Quelques accrochards, mais c'est un peu du faux scarry. Puis l'anti-émeute est venu nous sortir après quelques jours. Mais disons, qu'on a lancé un message en disant, on tient. Tout ce qu'on voulait, c'était travailler. On ne demandait pas d'autre chose, on veut juste travailler. Le gouvernement a envoyé l'anti-émeute, on s'est retiré, on s'est dit, bon, on va donner la chance d'avoir une bonne entente, puis être capable de jaser.» Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme on voulait. Donc, on était rendu en 2008, trois ans plus tard, ça ne bougeait pas. Bien là, euh, les travailleurs et la population ont décidé de, 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 de régler le problème une fois pour toutes. Là, on a rebloqué le chemin. Mais cette fois-ci, c'est juste sur la route 167 en face d'Hydro-Québec. Donc, on, on apprend de nos erreurs, puis on s'améliore. Donc, euh, de la façon que la route a été bloquée, les, 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 les gros camions, ça passait, ça passait mal en tabouette avec du bois dans le chemin, puis. C'était des arbres au complet, là. On avait. Ouais, ça prenait. Ben là, on ne pas les choses à moitié, hein? <laughs> là, On a plus une mine. On aurait peut-être mis des grosses roches. Mais en, le fait de boucher ça, là, ça prenait. Puis il y avait toujours du monde dans le chemin. Donc, euh, il fallait contourner, ça n'allait pas bien partout. tout. Mais on, on fait ça quand même de façon responsable. Les véhicules d'urgence, puis tout, il n'y avait pas de problème, ça pouvait circuler. Mais plus de transport. La population l'a embarqué à 100 Il s'est formé un comité qu'on appelle SOS Chubgamo. Puis ils ont décidé de prendre ça en charge. C'était même plus nous autres les travailleurs. C'est sûr qu'on avait quand même notre mot à dire, mais. Au niveau, au niveau du syndical, mais le, le, le gros, c'est eux autres qui voulaient le faire. cest à cause qu'ils se tenaient tous à ce que les chantiers Chugamo demeurent ouverts. Chugamo était construit sur un caminier. Donc, c'était bien beau les premières années, mais à un moment donné, les mines, là, on commence à, à extraire le minerai, puis à un moment donné, il ne pue. On ferme. Puis il n'y avait pratiquement plus de mines. Donc, si les chantiers Chugamo fermaient, ben, je ne suis pas sûr que Chugamo aurait été euh, encore euh, été un attrait. C'était une belle bataille. Ça a brassé. On a eu du fun. Puis on a réussi à gagner un, une partie de notre revendication. Notre les chantiers ont fait un condo ici. Et quand ils ont construit. Ça a remonté un étage par semaine. Mais ils ont pris le temps de faire, à cause que là, il y avait beaucoup de pièces à faire, beaucoup de bois. Donc, c'était euh, un laboratoire. On développe énormément. Alors moi, je vois mes membres, ils viennent avec les yeux de main, mais ils ne faut pas ce qu'on a fait. Puis ils arrivent avec un paquet de d'idées, puis ils sont ouverts. Les, quand il y a des membres qui ont des idées, là, ça se parle, puis tabarouette, il y en a plusieurs qui ont été retenue, à cause que, retenues, que oh, on, on, on travaille tout ensemble. Alors, à un moment donné, euh, moi j'ai eu la chance de connaître la confrontation qu'on avait dans les années là, fin 70, 80, ça a brossé à Bernache. Puis avec le temps, on a emmené ça à la concertation. Moins de coups de poing, ça table, mais on a appris à se parler. Puis, dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est le bien-être des deux parties. Puis quand tout le monde est heureux, ben bon, c'est notre job, que tout le monde soit heureux. Pis, je d'accord que mon employeur fait de l'argent, t'as qu'est-ce que s'il n'en fait pas, je pas de joie. Mais je suis conscient aussi qu'il qu qui en face, puis qu'il soit capable de nous en donner une partie de sa richesse, ça c'est parfait, c'est ici le même. Je me souviens dans les négociations, il y en a qui disaient, il vient de s'acheter un avion, c'est le temps d'ébrasser. Il faut qu'il fasse de l'argent pour qu'il capable de nous en donner, puis c'est toujours le bon sens. Quand je vous parlais de délégué social sociaux tantôt, là, à un moment donné, j'ai eu la chance d'être libéré de neuf ans. Pour le plus gros de mon travail, c'était délégué social, venir en aide. L'employeur était d'accord, à ce que je viens en aide à mes confrères de consoeurs de travail, payé entièrement par l'employeur, pas par mon syndicat, par l'employeur qui me payait pour m'occuper de mes membres. Je faisais d'autres choses, je faisais ma job de vice-président, mais mon journal, je faisais le yuppie, le euh, j'aidais les membres de toutes les façons qu possible, qui, qui étaient imaginables. Je faisais des soirées thématiques. Un, un paquet de choses différentes, puis j'ai été payé à plein temps par l'employeur pour m'occuper de mes membres. Puis à un moment donné, j'ai un, un cas, j'ai dit, euh, j'ai dit Michel, j'ai dit, euh, dit, ça me prend 5 000 Il dit, je te paye, je t'occuper de ces gars-là, il dit, occupe toi ça. Je retourne au local, puis je check mes affaires, puis ça ne marche pas. Je retourne le voir dans l'après-midi. Il dit, Michel, dit, ça me prend 5 000 pour un tel. Dit, je te l'ai dit à matin, je te paye, de t'occuper de ces gars-là, occupe-toi-en. Ben, il dit, c'est ça, je m'en occupe, parce que ça me prend 5 000 Le lendemain matin, le chèque était fait. Il ne m'a pas demandé là, comment est-ce que le gars allait payer. Ça, ça faisait partie encore de mes affaires à dire, bon, ben comment est-ce qu'on va payer ça? Bien, là, j'ai dit, gars, j'ai été voir le service de paye, j'ai dit, gars, ce monsieur-là, là, on va y enlever 1500 pièces par année lorsqu'il aura sa paye de vacances. Comme ça, ça ne touffera pas son budget toutes les semaines. Puis, en fin de compte, ça a fonctionné. Pour rembourser 5 000$. Pas d'intérêt, pour rien. Puis, euh, je vous dirais que c'était. Une... Ils ont aidé les travailleurs pour. Quelques centaines de milliers de dollars d'argent, pas aussi comme ça. C'est une entreprise familiale, les filions. Donc, euh, c'est sûr, comme je dis tout le temps, j'ai toujours du plaisir à dire, ils ne sont pas parfaits, c'est des boss. Mais ils ont un cœur sans Ça fait 38 ans que je travaille au chantier, puis on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de les voir progresser, puis de voir aussi au niveau syndical toute l'évolution que ça a apporté. Puis euh, il y a une fierté. Ils ont fait le part pour aider les travailleurs tout le temps qu'ils ont été capables. Euh, on, on a eu des gens que les le enfants étaient malades. Il y il, en il a un l'a envoyé à. Va t'occuper de ton jeune pendant trois mois de temps. Son salaire a rentré pareil. Occupe-toi de ton jeune. Et, euh, un peu d'argent pour l'avion, deux, deux, deux voyages en avion, va t'occuper de ton fleuve à Montréal. Il faisait tout pour être capable d'aider. Le Fonds de solidarité a mis en place, là. Euh, dès le début des années 90, les solides, les sociétés locales d'investissement ou de développement de l'emploi, où ce qu'on investissait jusqu'à 50 000 Nous autres à ben on, vu qu'on est proche de Chapin, on parlait de Chacun d'avoir une solide, donc on pourrait dire qu'on a regardé pour avoir chacun une demi-solide. On pouvait investir jusqu'à 25 000 Chapin, ça ramène le levé, en fin de compte. Mais Chougameau, on avait des sous pour être capable d'aider les, 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 les promoteurs, même si c'était des petits projets. Des fois, on dit 25 000, c'est pas gros pour partir d'une entreprise, mais bien souvent, les banques vont dire Ah, non, non, lui, euh, n'embarque pas dans ça, là, ton projet est trop risqué. Mais le fait que la solide y allait pour 25 000, un prêt non garanti, ben là, les banques disent oh, tu es capable d'avoir euh, des sous. Roger Savard, lui, il y avait une entreprise, Librairie Gabon Donc, lui, en ayant ce montant-là, il voulait être capable, avec de l'aide financière d'un institut financier, d'être capable d'aller développer le Nord. Ben, puis ça, il tenait à cœur. Donc, il est parti, puis il est allé offrir des, des photocopieurs, des marchandises, euh, de la paperasse, de la librairie à nos communautés euh, amérindiennes un peu plus haut. Puis ça a marché. Il a ouvert la porte aux autres commerçants d'ici. Puis ça, Roger, il l'a toujours dit. Il dit, c'est peut-être pas grand-chose, ce 25 000-là, mais ça m'a permis... D'ouvrir la porte en haut, puis tout, tout le monde est capable d'en profiter à cette heure. Avec le temps, à Chubgamo, on a eu notre solide, à autres, en 96, à Chubgamo. Puis le fonds régional, qui est un peu plus gros, a ouvert ses portes à Chubgamo en 98. Donc, le permanent syndical qui est empêché, qui siégeait sur la solide, a décidé de prendre le poste, le siège vacant de la FTQ sur le fonds régional. Puis là, ils voyaient mon intérêt. Comme ça, ils m'avaient demandé à l'époque si, si j'étais intéressé d'aller siéger sur la solide. Ben, J'ai dit certainement. Ça m'a permis d'avoir encore plus de connaissances au niveau du développement économique. Donc, quand on est capable d'aider nos, nos entreprises, c'est primordial. À un moment donné, on veut avoir de l'ouvrage pour nous autres puis pour nos enfants, puis l'ensemble de la population. Là, regarde, il faut faire des choses. On ne peut pas rester inerte, assis puis rien faire puis regarder que le train passe. Ça ne ça marche pas. 96, ça allait pas bien. On rentrait à l'usine de siège, tout le monde était marabout, puis ça roulait pas. L'ambiance était pourrie. À un moment donné, mon président, de Bruno Marceau, il me dit Pierre, il dit, j'aurais peut-être une idée. Là, il me parle de ça, plan de relance, basé sur la communication, le respect, l'entraide. On a semé quelques graines, puis son idée était bonne, comme ça. On s'est rassis, puis on a élaboré le plan un peu plus après ça, on est allé présenter ça à l'employeur. Mais là, ça, 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 ça prenait sa participation, à cause qu'on. Il y avait un coût par rapport à ça. On voulait que les gens reprennent à s'asseoir ensemble, parler, échanger, puis euh, pas l'ouvrir. On les promenait, puis on les allait au restaurant, un déjeuner, puis on discutait, puis. Euh. Cette idée-là a fait en sorte qu'on a réussi à monter à la production de 27 On a réussi à aller chercher 400 000 pieds. Si Puis, euh, là, l'employeur, on était à l'extérieur, à Jonquière, en formation, puis l'employeur nous avait appelé pour dire, hey, on a pogné 400 000 pieds. Donc, on était content de voir que ça avait marché. Puis, en plus, on est, on est sur la production avec un boni. Et hey, quand la production montait de même, là, les gars faisaient du bonus en tabarnache. Ben, c'est pas méchant non plus pour eux autres. Là. Ça a arrondi à la fin de mois en tabouette. C'est sûr qu'il ne faut pas le rentrer d'un budget, c'est quand même Mais ça l'a ça amené euh, un plaisir de travailler. On sait qu'on s'est mis à la tête sa bûche, mais on s'est dit, si nos membres sont heureux, là, c'est quoi qu'on a se reproché? on en parle encore aujourd'hui de ça, de ce qui se passait à l'époque, d'être capable de travailler ensemble. C'est pas plaisant quand on. Déjà que la vie n'est pas facile. On rentre travailler huit heures, ça va pas bien à la maison, on les casse tête, ça file pas. Quand tu as moyen d'arriver à l'ouvrage et avoir un sourire, une joke, moi, j'ai la chance de travailler d'or avec euh, un FM. Donc, on, je parle beaucoup avec euh, mes opérateurs de l'odeur, puis euh, mon gars de travail. Puis, on dit des niaiseries, puis on a du fun, puis le temps passe vite, puis l'ouvrage, on l'a fait, puis c'est pas, pas, pas de la misère. On a du plaisir à travailler. Je dis toujours, tout le temps, dire à mes enfants, trouve-toi pas une job payante, trouve-toi une job que t'aimes. Tu vas en faire toute ta vie. Comme ça, tu n'auras pas l'impression de travailler. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est. Ça paraît bizarre, mais dans le fond, là, tout ce qu'on voulait, c'était le bien-être de nos membres. Puis on a réussi par rapport à ça. Puis il y a vraiment un membre qui nous aurait pas pris d'avoir parti euh, le plan de relance. En 94, on, on s'est aperçu qu'on avait des confrères qui étaient édités. Quand c'était le temps de remplir un formulaire, là, ça ne faisait pas bien, bien les affaires. Ça m'a permis que quand on avait des formulaires à remplir, ben, je, je m'offrais de donner un coup de main. Même à ceux qui savent écrire comme ça. Quand j'arrivais aux autres pour lui donner un coup de main, ils savaient ce que je faisais, ça faisait les affaires. Donc, on était capables d'aider un peu tout le monde sans trop que ça pèse. Puis, suite à ça, je n'en parlais avec Bruno, puis je disais, mon on a des problèmes. Donné, on, on a des gars qui ont de la misère. Puis, elle dit, on regarde-tu pour. Je euh, suis à un groupe à l'école. Comme ça, on est allé voir euh, le service aux adultes. On avait euh, Mme Michèle euh, Perrault qui s'occupait euh, du service aux adultes à l'époque, puis bon, on y a parlé. « Y a-t-il moyen qu'on s'arrange pour avoir des confrères de travail qui viennent? » On reprend le retour aux études. On faudra regarder. Donc, on essaie les chiffres, 8 à 4, 4 à minuit, minuit à 8. C'est pas toujours évident. Faire ça sur semaine, 2 heures le soir, ou « Y a-t-il moyen l'après-midi? Puis... » En fin de compte, on a réussi. On a réussi à trouver 15 personnes qui étaient intéressées de retourner sur les bancs d'école pour être capables d'aller chercher un peu plus de connaissances écrites, puis bien souvent, il y en a qui partaient très, très bas. Bon. Mais ça, c'était pas grave, on avait du fun. Donc, on a réussi pendant quelques années à amener nos confrères et consœurs de travail à avoir une meilleure écriture, une meilleure compréhension. c'était plaisant de les voir, là, qu'ils avaient, avaient appris quelque chose. Puis, gars, c'était... Juste de les voir réagir, là, à la fin, ils sont capables d'écrire beaucoup plus qu'avant, puis c'est valorisant. En tout cas, je trouve que pour les membres, c'est un plus. Puis pour nous autres, on se dit qu'on fait pas les choses à moitié, on les fait pour eux autres, puis ça fonctionne. C'est beaucoup un arbre, mais faut être capable d'en planter. J'aimerais ça que le gouvernement dise c'est fini. On en on coupe un, on en plante deux. On en plante trois encore. Pourquoi pas euh, en faire plus un peu? Bon, c'est une ressource qui est renouvelable, mais c'est certain que ça ne repousse pas tout de suite. Dans le Nord, à 80 ans, on peut avoir un arbre juste de 6-7 pouces. Là. Puis, euh, mais la fille est bien dense. Donc, pour les produits que chez Chibougamou fait, puis mes confrères transforment comme bois, c'est idéal pour faire de la poutrelle, du laminé collé, du laminé jointé. Donc, on a des produits euh, valorisants. On, on redonne les lettres de noblesse à la ressource forestière. Au début, euh, nos ingénieurs ils ont, ils ont changé de ligne. C'était juste le béton, l'acier. C'est beau. Mais le bois a toujours gardé sa lettre de noblesse aux, en Europe. On était en train tranquillement de le remettre là, à sa place. Ça aide euh, énormément au niveau des gaz à effet de serre. Donc, un avantage de construire en bois, ça sent bien. Puis, euh, Chez nous, c'est pas qu'on en veut à l'acier puis au béton, c'est à cause que les chantiers quand on construit, des gros bâtiments, ben, il y a toujours du béton, puis il y a de l'acier au travers. Peut-être pas en, en quantité industrielle, mais on a toujours quand même les trois types de, de matériaux. Donc, euh, on redonne tranquillement, là, comme je vous disais, les lettres de noblesse à la forêt, puis c'est une bonne chose. On, on, on allait dans nos églises dans le temps, on voyait des grands en poutres, justement, toutes laminées, puis euh, ça, ça se perd, ça revient tranquillement. Ça, c'est une bonne chose à ce niveau-là. Quand on s'implique syndicalement, je pense qu'il y a une chose qu'il faut que les gens aient, il faut que ça vienne des tripes. C'est une expression, là. Quand ça vient des tripes, là, ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de chercher, puis tu parles avec tes tripes, tu parles avec ton cœur. Tu peux jamais te planter à ce niveau-là. Des fois, tu vas, tu vas en dire trop, tu ne seras pas fait, mais c'est rare que tu vas te planter. C'est à cause que tu as à cœur le bien-être des autres, le bien-être de tes membres. Tu veux que ça fonctionne partout. Donc... On, des fois, on, on est excessif. Il y a été un temps qu'on débordait un petit peu plus, on sautait la ligne un peu, plus à cause que, gars, nos membres, on veut qu'ils soient capables de manger, on veut qu'ils soient capables de travailler. À cette heure, c'est pas plus mou, mais disons, plus cons, consciencieux, plus de lois, Il faut faire attention un petit peu, mais ça n'empêche pas d'être capable de parler fort puis de crier, puis de dire, gars, c'est même que ça marche. Chez nous, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. On n'est pas une multinationale. C'est beaucoup plus facile de s'entendre. C'est sûr que, comme dans toute famille, à un moment donné, il y a des accrochages, puis, puis ça fait partie de la vie. Si tout ça serait tout beau, tout fin, je pense qu'on serait pratiquement à l'Éden, mais c'est pas tout à fait tout le cas. On est sur la terre, on est en train de gagner notre ciel. Mais d'être capable de parler avec notre cœur et nos tripes et être capable de prendre le temps, de jaser avec les gens, d'échanger, je pense qu'on devient une meilleure personne puis on est capable de faire beaucoup de petits bonheurs au travers de nous autres. Puis ça, ces moments-là, -là, c'est valorisant. Pour l'estime de soi, là, je pense que ça nous apporte beaucoup de choses. C'est pas une question d'argent. Comme on dit, on améliore la société, puis je pense qu'il y a un paquet de monde, que ce soit au niveau syndical, communautaire, public, qui fait en sorte que le, 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 le sort s'améliore. On a qui font le contraire, là, on les élus malheureusement. Je pensais qu'en payant plus cher qu'on allait de meilleures personnes. Je suis pas sûr que ça changerait ouais.